Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bien content de parler avec nous aujourd'hui. Moi c'est Jean-Baptiste Philippe, je dis à moi dans la capitale là. Donc moi dans Washington DC, côté n'a pas là aujourd'hui là justement. Comme d'habitude, tu parles nous habitué fait sans aucun problème nous là et pour nous passer une très bonne journée en compagnie d'avoir d'Amérique, s'oublier et visiter toutes les plateformes nous que ce soit dans Facebook, dans Instagram ou bien aller dans et YouTube, et bien bon, on a vu une information que nous avons déjà mettez pour vous. Pour qu'on ait un grand point qui est censé dominer l'actualité, que ce soit aux États-Unis, l'autre côté, et en Haïti, côté que nous avons plusieurs correspondants qui sont sur place. Je dis à mercredi 23 août, bon, moi, août a fini, mes amis. Et bien bon, on a gardé pour nous, ça a passé, bien. Nous d'abord et sur le plan international gagné et sommet BRICS qui a déroulé dans l'Afrique du Sud et son sommet qui réunit et pays tels que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, gagné Chili, éventuellement gagné l'Argentine qui peut faire partie de ça. Alors son groupe qui fait justement pour contrebalancer et puissance économique mondiale yo, qui seulement yo dit que et puis il y a la Chine tout là-dedans, c'est pas Chili, c'est la Chine. Donc pays ça yo même yo forme un autre groupe qui pour justement contrebalancer et puissance économique mondiale yo, qui dans G7 par exemple, yo dit yo même yo représenter et 42% de la population mondiale là, yo gon chiffre bas, yo dit que yo croit que mérité et yo pas mérité façon que yo était que pays riche a traité yo. Donc pays ça yo mettez en pied sous pied formé donc et yo dit déjà gen l'autre pays qui voulait venir faire partie groupe ça. Yo le BRICS. 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 Donc là dans les gen Afrique du Sud, gen la Russie qui pas malheureusement président Russie pas dans sommet. Et raison parce que le président a un mandat international derrière lui pour arrêter le côté rejoigné. Donc, monsieur dit, par mesure de précaution, il a participé dans le sommet, mais il a participé avec un virtuel. Il y a tout le président chinois qui est présent, qui sous place, mais le président chinois lui-même était en rencontre qui était déroulée et Madia, il n'y a pas allé. Et c'est une surprise pour un peu de monde, alors tandis que c'est le ministre de commerce là, que l'on a voyé à le discours que l'on a pour le prononcer. Et pas grand explication que la délégation chinoise a baillé sous dossier ci là pour dire pour qui raison ça passé. Donc c'est une surprise. Alors que l'on est sous place. Le Brésil est sous place. Le Brésil fait partie du groupe ça. Donc, nous avons suivi ce groupe ça pour nous. Qui ouvre l'inscription par un grand pays et qui manifeste intention pour eux même tout. Ils viennent faire partie du nouveau groupe ça, qui a cherché justement à balancer et tant que mondial, tant que passé, même les projets jeunes aussi, l'argent prêté, son problème. Et ils disent gros pays, ils punissent les leaders, ils disent, prennent sanction contre eux, etc. Donc ils ont des fonds contrepoids pour justement, si ils ont prêté l'argent, ils n'ont pas besoin de marcher, ils n'ont pas qu'à battre. Donc ce sont des sécurités pour nous suivre, en pile pour nous connaître qui est en développement du groupe ça va gagner et qui avance dans l'affaire. Mais là, nous connaissons qu'il y a là aussi avec la Chine. Le Brésil, qui est là dans l'Afrique du Sud. Et puis, bon, on peut comprendre qu'il y a ça pour avancer. Et puis, il y a l'Inde, qui actuellement, en parlant de l'Inde, a dit que l'Inde a un nouveau appareil qui atterrit sur la Lune. Et l'atterrissage, c'était gros fête en Inde. Ils sont contents, chantés, ils disent, alors, ils ont dit que l'Indien, et il a la pris en pile pour appareil atterri parce que nous connaissons que là aussi tu as appareil dernièrement là tu as pas atterri et puis l'écrasé avant l'atterri l'écrasé donc responsable scientifique ou bien chercheur indio et ben il était peur pour même pas arriver autour donc on peut comprendre que tu es croisé doit être pour t'éviter même problème n'a pas arrivé donc tu prié dit m'a prié tout bon fleuve là tout est même dans mosque et prié tout côté que gagne monde qui la prière pour prendre que on là en tout cas comme on dit prier à descendre et après la li atterri bon normalement l'a prêté l'autre bois pendant à peu près la prêté là pendant pour 2 semaines côté que pour collecter information voir information by et centre contrôle là qui est même capable analyser et possibilité qu'on y a un dit capable certainement fait
et commerce ou bien encore essayer de déployer satellite on se débat il cap utiliser ça comme un succès parce que c'est un succès pour eux-mêmes donc c'est grand la joie dans l'Inde je dis alors en parlant de ça n'a dit que l'Inde kounia li tout non l'autre puissance kounia tout qui est entré dans course à tout en c'est gain les qui atterrit sur la lune hein gain les États-Unis gain la Russie alors ancienne Union soviétique ou peut-être la Russie tout et puis gain la Chine. Et puis, Kounia est rentré comme quatrième puissance qui a avancé. Donc, ouvrez-vous, nous, mes amis, pour nous, qui ont marché tout, dans la course qui gagne, Kounia. La course n'a pas fait à terre encore, mais la course n'a pas fait tout le monde. Qui est-ce qui a pu aller dans la Lune et qui va voyager? Nous connaissons en pile activité qui a fait, en pile bail qui a fait, les États-Unis là-dedans, là aussi là-dedans, la Chine là-dedans. Et très certainement, après Inde, qui est-ce encore qui a poché, nous connaissons, en pile avancé. Alors, on parle de Inde. Et puis, il y a parlé de là aussi, eh bien, je dis à l'Ukraine a lancé un appareil téléguidé là qui fait des dégâts dans la ville en Russie. Et c'est en réponse à la guerre. Il fait des dégâts là. Et trois personnes mourent pour BBC dans l'attaque ça que monsieur ukrainien yo, et le gouvernement Volodymyr Zelensky a lancé là contre la Russie, justement en réponse avec toute attaque que l'a subi lui-même. Alors, on a rappelé que dernièrement, là, il y a Paul qui a parlé de pour que le gouvernement Volodymyr Zelensky a reçu et dans un pays international. Yo, en plus de véhicules de combat, et il voulait recevoir et avion F-16. Il y a des pays qui promettent. Yo, et ça n'a pas privé dans l'année 2023, mais à partir de 2024, ça va commencer à arriver parce qu'il y a sous bon route. Pour appareil ça pour que monsieur utilise appareil ça dans la guerre là aussi depuis la guerre ça il est là toujours en plus le monde te comprendre même président Vladimir Poutine te comprendre que la guerre n'a pas duré longtemps parce qu'il dit attaque la blanche attaque en février et puis c'est pas fini avec l'Ukraine et puis tu es bien compté mal calculé ça pas fait et puis vient je ne supporte que communauté internationale là, avec l'OTAN bien entendu les États-Unis en tête à poté bail et administration Volodymyr Zelensky pour supporter la guerre qu'elle a fait. Parce que la communauté internationale dit là aussi, pas faire la guerre, pas attaquer l'Ukraine, ni pas petit peu, mais là aussi, les gens qui étaient menés à attaquer, c'était justement cette réponse que le devait bail et l'Ukraine qui t'a cherché pour le devenir membre de l'OTAN et que Russie ne pas voulu pour que. Et parce que l'OTAN est divisé depuis là où les membres disent qu'ils doivent mettre des armes devant la CAE là aussi. Et vu que la Russie a une frontière avec l'Ukraine, donc il était dit que c'est un mauvais précédent, c'est un mauvais bagaille. Et qui fonctionnait parce que jusqu'à présent, l'Ukraine n'est pas capable de membre l'OTAN. Et justement parce que les conditions et que la communauté internationale est réticente. Mais il dit que Pavatigo n'a pas réfléchi sur ça toujours pour que soit capable de venir membre de l'Organisation internationale. L'OTAN est dans le chapitre 5. L'OTAN veut dire que des moments et une main et tout, étant donné que l'on guerre avec la Russie, il n'y a pas à l'accepter le Kounia là parce que il y a même été obligé à prendre parti pris, il est obligé à attaquer la Russie en faveur de l'Ukraine. Il n'y a pas voulu mettre l'Ukraine. Même si que techniquement, il y a accompagné l'argent, il y a besoin, il y a les armes nécessaires, particulièrement les États-Unis, qui balancent de Abrams, qui sont gros, et on sait de appareil. Et de guerre que les États-Unis offrent, qui a mené la guerre à terre contre l'ennemi. L'Allemagne, tout, etc. Eh et bien, nous traversons là. Nous faisons parler de guerre Ukraine, nous parlons de. Et puis, à ce moment-là, son gros débat. Gros débat qui a fait le premier débat à Parti républicain, candidat à Parti républicain, qui a cherché une nomination à Parti républicain. Donc, son gros débat qui a fait là. Et débat, il a fait justement. Et. Il semblait sans participation ancien président Donald Trump qui lui-même pas participé en débat. Bon, les raisons de Bala, il dit que lui-même débat va pourtant pour lui de plus. Il y a une popularité déjà. Dernier soir, il y a 40%. Il était 50, il était en 50. Mais quand il y a dernier soir, il est toujours devant l'autre candidat qui a cherché une nomination parti. En tout cas, il y a 8 candidats qui ont sous positionnement, y compris le président Donald Trump, mais il n'a pas semblé que M. Dill n'a pas participé. Mais il t'a semblé que l'ancien président voulait faire une autre émission dans même les débats en fait là. De façon pour capable de détourner ou de retirer un peu le monde qui va regarder le débat pour qu'il regarde le bit. Donc il n'y a que d'attendre.
Alors en parlant de ça, n'a dit le président Donald Trump et ancien président lui-même il a un problème avec la justice, donc a démêlé avec la justice sous exactement attaquer de faire sous building nous des dominants là et n'a pas de Capitole là, ça s'est passé et 6 janvier 2021, les hauts monde qui étaient identifiés tête comme lui-même et bien eux même été attaqué Congrès qui dans un moment que ancien vice président Mike Pence captain débat ouais et bien lui-même il a confirmé victoire candidat parti démocrate là Joe Biden. Et le président n'est pas d'accord, le président Trump fait plusieurs tentatives et c'est Baïsa Cap Vie contre Gonia là. Il y a l'État Georgie qui déjà est inculpé ancien président, inculpation qui fait contre New York, inculpation publique. En fait, président, ancien président a 4 dossiers devant la justice pour la défendre tête li. Mais dossier ça c'est surtout au moins qu'on a 2 dossiers qui pourraient, par exemple, dernier dossier Georgia, quand elle essaie de faire pression. Sous et membres et institutions électorales, ou bien la justice l'autre bois, pour être capable et bailler résultat, défaite résultat qui est en faveur de Joe Biden, pour être balil, pour être fait en faveur. Alors, selon la justice en Georgie, après enquête, ils ont inculpé ancien président, ensemble avec 18 autres mondes, et parmi eux, il y a un avocat, et il y en a pas deux, et Rudy Giuliani, qui était ancien magistrat de New York. En parlant de Giuliani, n'a dit que même monsieur Lirani li atterri en Atlanta jodia avec option pour lui rendre tête libre à autorité de la justice. Nous rappelons que tout le monde qui est inculpé dans le dossier ça dans l'état Georgie, c'est dans l'arrondissement Fulton, et bien yo même yo gain jusqu'à vendredi midi puis on rend tête à la justice. En tout cas, si nous pas connaît est-ce que ou dit Giuliani a fait ça aujourd'hui, ou bien a fait ça demain, ou bien il attend jusqu'à vendredi midi. Mais de toute façon, et nouvelle le rapporté dit fait débarquer l'autre bois là quand même. Et président Donald Trump, avocat Léo Jouen, nous entente avec l'autorité de la justice pour que ne pas arrêté. Alors, pour ne pas qu'il mette en prison ancien président, qui est d'accord pour payer une caution, d'aller en bonne, en chute bonne, en garantie financière. Eh bien, c'est 200 000 dollars à bac en garantie en échange pour ne pas qu'il y ait président Trump. Mais on a dit qu'il y a des contraintes pour que vous mettez tout, comme si le président Trump n'a pas les gens qui ont témoigné dans le bas, il n'a pas faire pression sur les gens qui ont accusé, il n'a pas faire pression sur les témoins, il n'a pas faire pression sur les potentiels jurés, et limiter dans sa dit. Que ce soit dans la télévision, dans l'interview, il n'y a pas qu'à reprendre, par exemple, un monde qui tweet un sujet, un commentaire qui est favorable à lui-même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas qu'à reprendre, voire il n'y a pas qu'à utiliser les propres réseaux sociaux par lequel il gagne pour lui dire des choses qui sont capables d'affecter le jugement que, bon, tentative date qui est baissée pour 4 mars 2024. Alors ce que l'avocat a défendu l'ancien président, il a même préféré que tout jugement ça qui aligne l'un après l'autre là pour être fait après l'élection 2024. On va suivre. Donc président lui-même, ancien président lui-même, il dit lui-même depuis il a annoncé lui-même jeudi, en parlant de demain, il peut aller lui-même la descendre à Atlanta, il peut aller porter tête, il va faire arrêter. Il va faire arrêter et autorité de Georgie, capable différent de Floride, de New York. Et bien, au même lieu, depuis le président Vini, il a fait photo, il a fait empreinte. Il a eu un mock shot, il a fait une photo avec un petit pancarte dans le colis qui a un numéro là dans le. Et puis voilà. Mais le président Donald Trump a un plan parle parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'il est inculpé, c'est la cote popularité de monter. Et mon tapement de tout, est-ce que le président est capable de candidat toujours? Oui, réponse d'après l'expert. Par une provision dans la Constitution qui empêchait qu'on mène campagne, même si tu as inculpé. Cependant, si tu as accusé, etc., si tu as une félonie, tu as un contrôle, tu n'as pas de candidat aussi de poste. Mais par exemple, quand il y a un cas président, c'est des accusations tout simplement, accusations qu'il a déjà plaidé non coupable pour eux, comme s'il était cherché à faire manquer mélange pour te détourner et pour te renverser les résultats d'élection en faveur de lui. Donc, voilà. Son dossier qui, en plus, nous a posé des questions pour nous-mêmes qui habitons dans l'autre pays, qui parcourent un bagage comme ça, et même dans un pays qui s'appelle les grands pays, pour et à côté à poursuivre un président, et bien ici aux États-Unis, Noël, il a poursuivi un ancien président pour un bagage qu'il a commis
pendant qu'il était sous pouvoir, pour action pendant qu'il était sous pouvoir. Voilà, donc, et pas grand rien qui clair jusqu'à présent pour l'ancien président. Pas grand rien qui clair. Ça veut dire que si la justice est coupable, il est en prison. Donc, il vient d'un concept citoyen. Il est en prison, même si tout le monde parle en prison. Alors, il te dit que zone côté prison en Atlanta, ou bien dans Fulton County, et bien, zone ça, son zone qui a barricadé. Et à partir de jeudi, à soir même, il a barricadé le net pour empêcher la circulation, justement parce que c'est la présidente, ancien président, Abvini, pour venir en tête. S'il a pris en tête, s'il ne pas fait le demain, en tout cas, il y a jusqu'à vendredi, puis au rentre tête. Et comment il est ça? Pas officiellement, puis volontairement, puis au rentre tête. Il y a 18 personnes. Alors, il y en a dans eux, c'est Oudi Giuliani qui est déjà sous place. Dossier n'a suivi pour, et puis nous demandons pour continuer à suivre avec nous tous, parce qu'on a porté les derniers moments, les derniers bails qui arrivent avec le président, que nous avons suivi comme au candidat qui est censé amener et parmi intention de vote, parmi électeurs républicains pour la nomination parti, qui est certainement moi qui a porté la nomination parti républicain, c'est lui qui parle en face et président sortant, en parlant de Joe Biden, qui dit même à représenter les partis démocrates là dans l'élection présidentielle 2024. L'autre cap dominant actualité à Simbargan et pour me parler du tout. Donc, nous parlons de atterrissage et apparemment dire que les Chandrayaan 3 qui est apprêté dans l'espace ou bien dans le soleil pendant deux prochaines semaines, fonctionnel. C'est-à-dire la Terre pendant deux prochaines semaines. Je ne vais pas dire que ça va passer après deux semaines arrivées, est-ce que tu vas d'aide, mais au moins la vos informations sur la Terre, by mission contrôle là, justement sur question ci là. Et puis, il y a Franklin. Alors, tempête tropicale Franklin, qui est mauvais tout bon, eh bien, il y a atterri dans le Caraïbe, là, il y a atterri dans l'Hispaniola, dans le pays en République dominicaine et Haïti. Nous ne voulons pas rapporter les gens qui sont morts, mais depuis dominicaine, depuis hier, il a décrété la permanence, avec les congés depuis midi. Et Jean Labvinien la presse, surtout dans la partie Est, avec ou même qui est dans nord-ouest Haïti, par où parce que Labvinien est après ça, Labvinien avec un pile d'appli. Autorité haïtienne, il y a même beaucoup de paroles pour un pile disposition pour protéger la population, il y a passé des consignes. Haïti était toujours sous alerte, état d'alerte jaune. Donc tout le monde prend précaution, protéger bien sous barrière, ne pas traverser les rivières, pas traverser de l'eau, cap descendre sous par contre de l'eau, rester la carrière, approvisionner, chercher manger, chercher bah mettre la carrière là, qui pas périssable par exemple pour mettre là et puis éviter camper en bas pied bois et pas arrêter bon zone rivière, pas arrêter en bas mon, on va quitter avec l'autorité, le premier ministre Henri Talin sans ouagan. Quand il a rencontré avec M. Chandler, quand il a passé des consignes, il a demandé pour un petit bateau pour prendre la mer, et il était dans le port, et puis tout le monde protégeait le territoire, etc. Sur un document, rappelez-vous, protéger le document, vous mettez un nom, cherchez plastique, enveloppé, bien enveloppé, pour ne pas entrer là-dedans, pour ne pas gâter le document. Alors, tempête ça arrive en Haïti, dans un moment, et délégation Kenya, délégation policier au niveau Kenya, a été fait dans la mission et a fait en Haïti. Et mission 3 jours, et bien, côté que vous rencontrez avec le gouvernement, vous rencontrez avec les officiels, vous rencontrez avec certainement mission diplomatique, et vous rencontrez avec le représentant des Nations Unies, l'autre bois. Pour justement discuter qui sont les missions que Kenya voulait entreprendre en Haïti pour prendre tête mission, ou bien tête une force multinationale qui va aller des polices nationales pour mettre et pour combattre les gars. Qui vient travailler avec eux, donc ils font son visite d'introspection, visite d'évaluation, ils regardent le terrain, ils regardent tout le bas, ils visitent tout le côté de l'unité. Police nationale à la biosécurité, entendu. Eh bien, bon, ils prennent. Bon, une fois qu'ils finissent faire évaluation tout le bas, ils ont contact avec CSPN, non, c'est le Conseil supérieur de police nationale là, qui en a tête les Ariel Henry, qui en a en même temps tout le premier ministre, qui en même temps responsable du ministère intérieur. Eh bien, et au final, on est avec WOCO et HTCA, c'est le Conseil de Transition, ou ACT,
ils ont rencontré avec tout, donc ils ont une idée. Et là, ils ont tourné, ils ont parlé de, justement devant le Conseil. Conseil et Sécurité des Nations Unies ont fait un rapport. Et dans le rapport, ça a justement parlé de. Mais ça, ouais, mais qu'on sait faire, mais qui ont terrain, mais qui ça a besoin. Puis, pour prendre la force multinationale, ça, nous rappelons que Jamaïque, avec de Bahamas déjà eux même d'accord pour participer dans la mission, c'est-à-dire que pour envoyer représentants, soldats, etc., bien police dans la mission SAC pour aller, qui pour aller en Haïti, mais pas aucune date qui fixée, parce que grand pile démarche qui pour faire, grand pile faire par exemple l'argent. Les États-Unis déjà dit lui-même l'a supporté et une telle mission ça. D'ailleurs, les États-Unis ont encouragé lui-même, parce que les États-Unis c'est lui qui au début t'es pensé que c'est lui qui a parlé. Bon, il encourage jusqu'à ce jeune pays qui accepte de faire l'île. Donc, il dit l'aspect financier, la recherche pour qu'il y ait un agent pour le tabac pour aider la mission. Il y a M. Robinson qui est allé en Afrique et dernièrement. Et c'est après M. Robinson qui est responsable du département d'État, qui est tourné et sorti. Et puis, il y a un sens qui a été répondu pour dire oui, que lui-même a une intention et prendre et force ça. À condition que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise. Donc, il va faire rapport pour le dire, mais ça a besoin. Les États-Unis sont d'accord pour le financer, le Canada est d'accord pour l'aider tout, et l'autre pays est d'accord pour le dans l'opération, justement pour voir dans quelle mesure il y a aider les polices nationales, établir la sécurité dans le pays. Mais en attendant, ça ne va pas empêcher que les gangs continuent à fonctionner. Les gangs continuent à kidnapper les gens, ils continuent à mener l'opération, ils continuent à tirer entre les gens. Violer les gens, kidnapper les gens, tirer les gens, mettre des filles dans les gens. Et cela, dans une zone et, qui n'est pas trop loin avec l'ambassade américaine, nan, qui ferme en partie dans l'activité. À cause d'activité des gangs, par exemple, sous section visa, par exemple, pas carrément dans visa actuellement dans l'ambassade, parce que c'est seulement un service très restreint, aucun mon personnel très restreint, parce qu'il y a un personnel non essentiel qui a été fait entrer aux États-Unis. Donc, très restreint, c'est seulement pour répondre à besoin, par exemple, citoyen américain qui est dans le pays, etc. Et donc, il y a un service qui est là, mais ce n'est pas gros bail. Mission en dessous, tu as allé directement. Premier jour, mission en hiver, mais tu as allé, c'était l'ambassade américaine dans l'Italie, justement, pour parler de qui s'est acquitté dans les rencontres. Et mission très réservée, il n'y a pas rencontré à la presse, à part ministre affaires étrangères haïtien qui te font parler avec les journalistes, mais c'était quelque part, il était dit seulement, et rencontre, mais ils disent qu'ils sont pas capables de temps et que nécessaire pour que. Et c'est le mot final, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui gagne. Mais nous voyons qu'il y a que mission ça, ou qui j'en ai fait, est-ce qu'il y a parce qu'il y a un rapport et c'est au préalable directement. Parce que le secrétaire général des Nations Unies, en 15 jours passés, a remis un rapport, mais si on l'a dit, il était il parlé de force robuste qui pourrait aller en Haïti, et il était parlé de nécessité pour qu'il y ait une force robuste pour aller protéger, ou pour aller aider la police nationale là, faire travailler, combattre gang, et qui, de jour en jour, apprend plus de force, que ce soit dans Port-au-Prince, mais tout, dans la base à Tibouni, d'un côté, monsieur, encore hier, nouvelle rapport de monsieur kidnappé un bus. Qui tape sorti dans le nord-ouest, dans le port de paix, et on prend avec tout le monde qui l'a dans le nouveau, il y a une nouvelle qui dit ça va faire mon est-ce que libérer mon mais monsieur, et ceux-là sont branches dans l'équipe qui a opéré dans la base à Tibonite, qui prend bus ça qui tape sorti exactement dans le port de paix. Jobin Ankala, Baléo dans New York, et Fred. Fred on a Simon, Fred nous l'autre côté, Fred pas nous jaser, Fred nous l'autre côté, côté là, il prend long bagaille, et bah top détail, et puis moi là tout, et bon, Jacqueline est encore là avec nous là, bon, on a préparé une nouvelle suite pour nous parler de les grands points cap de l'actualité, et moi m'a préparé une de gouvernement fédéral dans le tribunal hier avec l'État Texas. Justement, sur une question de clôture flottante que les États-Unis ont mis dans Rio et fleuve Rio Grande pour empêcher les immigrants de sortir au Mexique pour entrer au Texas, donc pour venir entrer aux États-Unis sans document légal. Donc, États-Unis, le gouvernement fédéral des États-Unis n'est pas content. Il demande pour le retirer parce qu'on ne peut pas mettre ce travail fédéral, le gouvernement fédéral, là, on ne peut pas mettre en clôture flottante pour risquer la vie des immigrants, non seulement des immigrants, mais la communauté à tout. Et le gouvernement d'État Texas, Greg Abbott, dit que c'est droit pour l'empêcher de rentrer sur le territoire. Et sur un état de la diriger. Et qu'il paraît pour l'aller et même vivre dans la Cour suprême. Avec le comme gouvernement fédéral a été porté plainte, donc il y a un juge, c'est juge David, qui était étendu le dossier,
qui détendait les deux parties, avocat les deux parties, département de justice d'un côté, et puis Texas de l'autre côté, il détendait tous les deux. Le gouvernement fédéral a été fait valoir position par lui. Pour ça que lui pensait que, il dit que une barrière comme ça nuit aux relations Mexique avec les États-Unis. Et Texas dit lui-même qu'il n'a pas besoin de permission pour le faire lui. Et pour le mettre lui, mais bon, juge là en tout cas, il y a jusqu'à vendredi 25.